Et bienvenue les gars, c'est Tip et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo YouTube. On est en ce moment même en live sur Twitch, n'hésitez donc pas à nous rejoindre, je suis en stream là-bas tous les jours, tout ce week-end de 8h à 14h. Et ça va durer aussi toute la semaine, je suis vraiment là le matin donc n'hésitez pas à venir. Et on est en direct avec Coach Pet pour vous présenter les deux premières tactiques perso de l'année. Il y a plein de changements parce qu'on va pouvoir vous les envoyer directement par code, etc. Et vous avez vu, il y a FCIQ, les nouveaux rôles, etc., etc. On va donc vous expliquer tout ça. Au passage, on a fait une vidéo hier pour vous expliquer FCIQ simplement, donc n'hésitez pas à aller la checker après avoir regardé cette vidéo pour bien tout comprendre. Pensez aussi qu'il y a toujours le concours sur Instagram pour gagner 500€ de points FC plus 3 FC25. C'est gratuit, ça coûte rien, juste à taper THIPOFF. Et puis on pense à liker la vidéo et à s'abonner et on est parti. Comme d'habitude, on se retrouve dans les menus de FC25 et je suis accompagné par Pedro qui est reparti malheureusement pour aller bosser les tactiques quand même. Pedro, comment tu vas? Ça va super, et toi? Ça va super, comme toi, mon coach Pedro. Alors du coup, avec toi, on va voir un petit peu les tactiques. Je crois que tu voulais présenter un 4-3-3 et un 4-4-2. Mais il y a une nouveauté cette année, c'est que les tactiques, on va plus avoir besoin de tout vous montrer, 30-40, machin chouette et tout. Vous allez pouvoir les rentrer par code directement, c'est la technologie. Pour aller rentrer la tactique, les gars, c'est tout simple. Vous allez aller dans votre club, onglet équipe. Vous allez faire L3 pour faire une action équipe. Et là, vous allez aller dans gestion d'équipe. À partir de là, vous pouvez scroller vers la droite et vous allez avoir un onglet pour rentrer le code. Le code de la tactique ici, moi Pedro me l'a envoyé en privé. On va vous les faire apparaître à l'écran pour le 4-4-2 en premier. Maintenant que j'ai rentré ici le code, j'appuie juste sur le bouton start. Ok. Et là, vous allez voir la tactique que Pedro a préparée. Eh ben, elle est là, elle est disponible juste devant moi. J'ai juste à faire confirmer. Je mets mon nom, voilà, je mets, ça va être le 4-4-2 hein, tout simplement. Hop, 4-4-2. Et hop là, comme par magie, voulez-vous faire cette tactique, votre tactique active, vous mettez oui ou non, etc. Moi, je vais mettre non parce que je joue pas en 4-4-2. Mais là, je l'ai et ça va me permettre de l'avoir du coup maintenant dans mes tactiques que je pourrais mettre directement en match. Alors Pedro, on est parti avec deux tactiques, comme tu disais, un 4-4-2 et un 4-3-3, pour que ça puisse correspondre un peu à tout le monde en fonction des joueurs que vous avez dans vos clubs, parce qu'on sait que vous n'avez pas forcément le nombre d'ailiers, etc. Parfait. On commence donc avec le 4-4-2, Pedro, et je te laisse nous le présenter en long et en large. Honnêtement les gars, le 4-4-2 que je vous ai fait, il est très équilibré, vous pouvez le voir, style de construction équilibré. Au niveau de l'approche défensive, j'ai mis 50 de profondeur, donc c'est vraiment le plus équilibré possible. Pour ce qui est des rôles, vous allez voir, c'est du classique. Les défenseurs, j'ai juste mis là où ils sont le meilleur, c'est-à-dire défenseur, défendre. J'ai beaucoup aimé cette année gardien libéraux, je trouve qu'il est un petit peu plus réactif sur les sorties de but, c'est pour ça que je l'ai mis. Au niveau des latéraux, on va en garder un derrière, on va le laisser défendre parce que vous allez voir que sinon rapidement si vous mettez trop d'instructions à vos joueurs et vous avez tendance à déséquilibrer votre bloc. Un piston, j'ai choisi piston et pas le défenseur latéral offensif parce que je trouve vraiment qu'il y a une vraie différence et Nuno Mendes vous allez voir il va beaucoup apporter dans l'équipe de type ici. Milieu défensif et là c'est le plus important, je vous en parler un petit peu plus, il vous en faut un qui va rester derrière et un autre qui va monter un petit peu plus. Ça ne change pas des autres FIFA. Par contre, vous avez plusieurs types de rôles et vous allez devoir aller chercher un petit peu vous-même le rôle plus qui va correspondre à vos joueurs. Cette année, c'est très personnalisé. Ça va être très dur de faire une tactique pour tout le monde. Forcément, certains vont avoir des plus en milieu défensif, d'autres en relayeur. Et ça, ce sera un petit peu à vous de vous adapter. Mais surtout, le conseil que j'ai à vous donner, c'est ne déséquilibrez pas votre bloc. Vous gardez un milieu défensif et un milieu relayeur ou milieu offensif. Du classique sur les milieux latéraux avec un attaquant intérieur donc qui va repiquer. Et du côté de votre latéral qui monte, j'ai mis un ailier pour qu'on ait un vrai dédoublement. Vous savez, comme dans le foot, Nuno Mendes, là, il va passer derrière Nico Williams et ça va vraiment vous apporter quelque chose. Devant le rôle renard, les gars, c'est simplement dans le dos de la défense et je le trouve super efficace. Ça, c'est Tip qui l'a remarqué. Donc vraiment, je vous conseille qu'un de vos deux BU soit en mode renard. Et pour le deuxième, bah là, c'est un peu spécifique. Tout le monde a un faux neuf dans l'équipe, je trouve. Donc du coup, je vous ai mis quelqu'un qui redescend. Mais si vous jouez avec deux vraies pointes, vous mettre attaquant avancé, c'est aussi très fort. Alors moi, tu vois, par exemple, ici dans mon équipe, j'ai Camavinga et Vitinha, tu vois. Et je trouve que, bah, sur le principe, je préférerais plutôt avoir Camavinga en milieu défensif défendre que relayeur. Même si Camavinga, il a le petit relayeur en plus, tu vois. Je pense que là, sur le profil, il vaut mieux privilégier un joueur qui correspond vraiment à milieu défensif plutôt que, tu vois, d'avoir juste un petit plus en relayeur et en fait d'avoir un Vitinha qui fait 1m12 et qui correspond pas du tout à MDC, on est d'accord. Exactement. Là, tout simplement, tu appuies sur triangle et tu les échanges de place. Ok, c'est avec triangle, c'est super simple en plus. Et ok, et en plus, bah, Camavinga aussi, il a le milieu défensif en défendre. Donc au final, ça change pas grand-chose. Et là, on a un cas pratique. Tu peux cliquer sur Vitinha et tu peux lui donner un rôle offensif qu'il y a parmi les rôles. Et il a un plus de mémoire. Ah ouais, en meneur de jeu ici, pivot créatif du milieu de terrain pouvant créer des espaces et des occasions de but risque de se trouver au
position en cas de contre, parce qu'il sera un peu haut. Et là, du coup, je peux avoir un joueur donc qui va être un peu plus libre et plus offensif devant sur ce 4-4-2. Et vous, vous avez pris la liberté de changer, mais vous avez vu, le bloc, il est toujours pas déséquilibré. Là, vous voyez ici, vous avez une idée du bloc avec ballon. Comme ça, on dirait que c'est un petit peu déséquilibré, mais je vous jure, ça a beaucoup de sens. Ici, vous avez donc ce Mendes qui est un petit peu haut et qui va essayer de monter pour dédoubler avec Naki Williams. Mais en fait, Kamavinga, il va rester derrière pour pouvoir justement couvrir, récupérer des ballons au milieu et puis venir un petit peu défendre à côté gauche. Vitinha, il va être un petit peu plus haut pour apporter la solution. Vous savez, justement, quand vous êtes face à des blocs bas, pour essayer de faire la différence. Rodrigo, il va bien être sur le côté, mais de temps en temps, il va revenir dans l'axe pour essayer d'aider un petit peu Sazic. Nkunku, donc, ça se poste de numéro, faux numéro 9, presque numéro 10, un petit peu entre les deux. Et puis Sazic, vraiment, elle, elle est là pour tabasser, aller dans le dos et mettre les pions sur ce 4-4-2. Pedro, est-ce que t'as quelque chose de rajouter de plus, même si ça m'a l'air d'être quand même du basique cette tactique, parce que c'est les débuts du jeu, il faut jouer simplement. Honnêtement, sur cela, c'est vraiment le plus simple que j'ai fait pour que vous ayez quelque chose de consistant pour démarrer Rivals. Mais on aura tout l'occasion de découvrir tout le panel de AFC AQ dans des tactiques beaucoup plus développées. Si encore une fois il y a des choses qui ne sont pas claires pour vous, la différence entre sans ballon ou avec ballon, il y a la vidéo pour tout comprendre sur AFC AQ qui est disponible depuis hier avec Pedro. On l'a tournée au plus vite pour que ce soit clair pour vous. Allez la voir, ça va vous prendre un quart d'heure, mais croyez-moi, ça va tellement vous aider à tout comprendre cette année. Pour la deuxième tactique, là Pedro il est parti sur un 4-3-3 offensif, on vous fait apparaître le code juste devant vos yeux, pareil vous avez juste à le rentrer avec le même tuto que tout à l'heure. Pedro, je te laisse présenter ça, ça m'a l'air d'être du basique mais de l'efficace aussi. Ouais, super efficace, la chose que j'ai changé c'est le style de construction. On a beaucoup joué en 4-3-3-4 avec type et j'ai remarqué que des fois dans l'animation offensive c'était difficile, donc j'ai mis contre pour que les joueurs avancent un petit peu plus vite et notamment prennent de la profondeur. Au niveau de l'approche défensive, c'est du pareil. Et vous allez voir que sans ballon et avec ballon, ça change pas beaucoup. Elle est vraiment très équilibrée. J'ai rien changé pour l'instant sur le gardien et sur les défenseurs. Les deux latéraux sont en défenseur latéral offensif. C'est-à-dire qu'ils vont vous apporter du soutien en jeu court, mais ils ne prendront pas la profondeur. Même esprit pour les milieux. Un meneur de jeu relayeur et un relayeur. La différence entre les deux postes, c'est que le meneur de jeu relayeur reste défendre et le relayeur peut vous apporter du soutien offensif. Un numéro 10 qui va dézoner, il va aller un petit peu partout. J'ai mis deux attaquants intérieurs pour les ailiers, c'est-à-dire qu'ils vont repiquer. C'est un petit peu le nouveau dans la surface. Et Sazic avec son dans le dos de la défense. Là, je réitère que vous comprenez bien ce qu'a dit Pedro. Lisez bien, meneur de jeu relayeur, c'est un élément clé de la construction offensive depuis l'arrière. Donc ça veut dire qu'il va être plus bas. Et en effet, relayeur, c'est plus un joueur par contre qui va avoir ce rôle de box-to-box. Il va aller entre les deux surfaces, donc il va être un petit peu plus haut. Ça se voit pas forcément ici avec la tactique, avec ballon. Mais croyez-moi, sur le terrain, ça se verra parce que Vitinha aura tendance à être un petit peu plus haut. Pedro, là, pour jouer cette tactique, il faut faire quoi forcément? Un petit peu sur le côté ou justement on a quand même un petit peu plus de présence dans l'axe comparé au 4-4-2. Il y a Nkunku qui va venir en soutien, qui va aller entre les lignes, donc vous allez avoir un petit peu plus de place. Je vous conseille quand même de combiner entre par exemple Nuno Mendes, Vitinha, Williams ou Rodrigo, Camavinga, Gusto. Et derrière vous allez retrouver Nkunku régulièrement qui va venir chercher des ballons, qui va faire des appels courts. Bon bah Pedro, je crois qu'on a fait un bon tour là pour ces premières tactiques qui évidemment sont des tactiques simples à jouer parce qu'il ne faut pas que vous preniez trop la tête vu que c'est le début, déjà il y a plein de choses à comprendre etc. Voyez, testez les deux et puis surtout par rapport à vos joueurs que vous avez disponibles dans vos clubs évidemment. Moi j'ai une belle équipe les gars mais justement c'est une tactique simple pour que ça puisse s'adapter à tout le monde. Bah Pedro, comme d'habitude, je vais te remercier pour la vidéo. Je vous invite aussi à aller le follow sur Twitch parce qu'il est en live toutes les après-midi, allez lui donner de la force. Le lien sera dans la description et en premier commentaire. Et puis comme d'habitude, vous pensez à vous abonner à la chaîne YouTube, à liker la vidéo et à la partager à tout le monde les gars pour que tout le monde puisse avoir une bonne tactique autour de vous. C'était Tipe Pedro, à très bientôt tout le monde, ciao.